Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais, oh. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais, oh, 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 oh. Tu m'envoies, je vais. Oh oui, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Yayouch, sois richement béni. Jonas Yé, sois béni. Jules Diepa, depuis Paris, sois béni. Loïc Zarassé, que Dieu te bénisse. Valé Atseba, que Dieu te bénisse. Choupi Elza, que Dieu te bénisse. Grâce. Sois richement béni. Oyenyi, Olaré, Joseph, tu es béni. Ghislain Bamoumi, que Dieu te bénisse. Olivier Kwaku, sois béni. Félix Lamien, sois béni. Chrisely Bende, sois richement béni. Anissette Nyang, que Dieu te bénisse. Tu m'envoies, je vais. Piraka Nik Shekina, que Dieu te bénisse. Rabbi Kone, sois richement béni. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais, oh, 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 oh. Tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais, oh, 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 oh. Tu m'envoies, je vais. Oh oui, tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Mon Seigneur, tu m'envoies, je vais, oh. Tu m'envoies, je vais, oh, 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 oh. Tu m'envoies, je vais, eh. Tu m'envoies, je vais, oh, 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 oh. Tu m'envoies, je vais, eh. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais, eh. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. La faveur de Dieu repose sur toi, où que tu sois, au nom de Jésus. Salutations prophétiques depuis Shekinah, Horeb City. Que la bénédiction de Dieu se multiplie dans ta vie pendant que tu es en train de me suivre en live et en direct. La gloire de Dieu est ton partage, la faveur de Dieu est ton partage. Je suis ici, comme tu peux le voir, Shekinah, Horeb City. Et je suis en prière pour toi. Ignace Shekinah, sois richement béni, où que tu sois, au nom de Jésus. Beka Bradley, que Dieu te bénisse. Blessy Huguette Bégué, que Dieu te bénisse. Ingrid Steele, que Dieu te bénisse. Waouh, que la faveur de Dieu repose sur toi. Barbara Sakakina, que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Bonenta, que Dieu te bénisse. Moïse Michel Ange, que Dieu te bénisse. Dame Dior, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, partage où que tu sois dans le monde entier. Partage sur WhatsApp, partage avec tes frères, tes amis, tes connaissances, où qu'ils soient. Partage, 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 partage. C'est vrai qu'il fait tard, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà couchées comme d'habitude. Mais j'ai foi que l'Esprit de Dieu est en train de te bénir au nom de Jésus-Christ. J'ai déjà dit que c'est dans les veilles de la nuit que nous prions, que nous cherchons sa face. Regarde le calme que Shekinah Rev City a. C'est tellement paisible ici, c'est un temps où tu peux parler à Dieu, où tu peux chercher sa face, où tu peux le célébrer, où tu peux apprécier son esprit. Alors, que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu soit ton partage. Augustin Gustave, je suis content de te revoir. Il y a longtemps, je suis là, je suis toujours là, mais très pris, très occupé. C'est très important avec Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je t'invite ce vendredi à une grande veillée de prière. Il y aura lieu au Temple Solution, Cocody, Angre, Bessu, Nouveau Chu. Nous aurons une très, 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 très grande veillée de prière. Ça sera une veillée exceptionnelle et extraordinaire. Donc, tu es mon invité spécial. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour venir participer à cette grande veillée. Cette veillée va changer ton histoire, qui va changer tout dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, où que tu sois dans le monde, si tu es en Côte d'Ivoire, que tu sois, retourne-moi ce vendredi après demain là,
pour une grande veillée qui commence à partir de 18h au Temple Solution. Ça sera un temps où je vais intercéder et prier pour toutes les personnes qui seront présentes. Arrête de simplement suivre à distance, faire l'effort de te déplacer, venir à la source. C'est très important. Même le Seigneur Jésus a quitté sa zone de confort pour venir se connecter à Jean-Baptiste dans le désert. Donc souvent vous êtes là, vous voulez rester à distance. Il faut te rapprocher pour te connecter. C'est très important. Le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Mon Dieu ne ment pas, oh, oh. Eh, Dieu ne ment pas, oh, oh. Mon Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas, oh. Ce qu'il a dit là, il le fera, oh. Ce qu'il t'a promis là, il va te donner, oh. Jésus ne ment pas, oh, 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 oh. Il ne ment pas, oh, oh. Ton Dieu ne ment pas, Le Dieu de Daddy Shekinah, il ne ment pas, oh. Ce qu'il t'a promis là, il va te donner, oh. Ce qu'il a dit sur ta vie là, ça se fera, oh. Si tu crois à cette parole, dis-moi amen, oh, 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 dis-moi amen, oh. Je dis, dis-moi amen, oh, 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 oh. Dis-moi amen, mon Dieu ne ment pas, mon Dieu ne ment pas, oh, Dieu ne ment pas, Jésus ne ment pas, oh, 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 en tout cas, il ne ment pas, ce qu'il t'a promis là, il va te donner, oh, ce qu'il a dit sur ta vie là, ça se fera, oh. Laisse-les bavarder, laisse-les raconter. Ce qu'il a dit sur ta vie là, ça se fera, oh. Jésus ne ment pas, Jésus ne ment pas, oh. Ce qu'il t'a promis là, il va te donner, mon frère. Ce qu'il a dit là, ça se fera, oh. Où que tu sois, que sa faveur te touche au nom de Jésus. Que sa bénédiction te touche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu agisse, qu'il te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus. N'oublie pas, c'est ce vendredi à partir de 18h, Cocody Angre Bessikwa Nouvochu. La semaine prochaine, nous aurons un programme exceptionnel avec le Bishop Salifo Amwako qui va arriver. Et je t'informe, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire du Bishop Tadi Shekina. C'est un temps de célébration. Je disais que vous, les francophones, vous êtes anti-célébration. Vous ne savez pas célébrer les bonnes choses. Vous savez dénigrer, vous savez bavarder, rabaisser, mais vous n'avez pas la grâce pour célébrer. Or, quand Dieu même a créé les choses, Dieu a célébré tout ce qu'il a créé. Et pendant que tu célèbres quelque chose, cette grâce de célébration arrive aussi sur toi. C'est ce que vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi plus tu insultes les gens, plus tu critiques les gens, plus tu parles mal des gens, plus tu te plains des gens, plus ta vie devient plus compliquée, plus difficile. Mais le jour où tu apprends à vivre et à célébrer aussi les gens commencent à te célébrer par la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand il a créé la lumière, la Bible déclare qu'il a dit que la lumière est bonne. Il a apprécié la lumière. Il avait dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc Dieu même crée quelque chose, puis Dieu célèbre ce qu'il a créé. Il donne l'énergie et la force à ce qu'il a créé. Tu comprends un peu? Voilà, même les païens se célèbrent entre eux, ils font les awards, ils font awards pour se célébrer. C'est vous seulement les chrétiens, vous célébrez personne. Alléluia. Et vous savez très bien que ce que je dis est la vérité. Et la semaine prochaine, c'est le temps de célébration, c'est l'anniversaire du Bishop Dadi Shekinah. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de me dire, ah, peuvent être déjà, que la faveur de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Et la semaine prochaine, ça sera un temps formidable avec Dieu. On va célébrer ça le 22 octobre au Tabernacle Solution, Yopougon, kilomètre 17, Carrefour, Nouvelle-Gare. On sera déjà dans ce temps de célébration avec le Bishop Salifo Amwako, qui sera là le mercredi prochain au Temple Solution. Le jeudi prochain, Cocody encore au Temple Solution. Mais le vendredi, nous serons au stade de la BAE. Nous serons au stade de la BAE le vendredi prochain. Donc, si tu passes le vendredi qui vient là, l'autre vendredi, nous serons au stade de la BAE. Pour être extraordinaire de célébration. Donc, où que tu sois dans le monde entier, tu dois célébrer l'anniversaire du Bishop avec lui.
C'est le vendredi prochain au stade de la BAE et le dimanche au Tabernacle Solution. Il y a pour kilomètre 17 Carrefour Nouvelle Gare. C'est pas ce dimanche ni ce vendredi, mais le dimanche et vendredi 20 octobre et dimanche 22 octobre. Retiens la date. Vendredi 20 octobre et dimanche 22 octobre sont les deux jours de célébration extraordinaire. Le mercredi et le jeudi, nous sommes dans un temps de jeûne d'impactation prophétique avec le bishop Salif Omako qui viendra spécialement du Ghana. Guy Anderson, que Dieu te bénisse. Avant d'avance, Séraphine Kamala, que Dieu te bénisse. Désiré Djoukouette, que Dieu te bénisse. Nadi Lagrasse, faveur, que Dieu te bénisse. Ndri Shekina Nyamiawa, que Dieu te bénisse. Taïga le monument, que Dieu te bénisse. Merveille divine, sois richement béni. Merci encore pour tous les happy birthday déjà. Apprêtez-vous à venir célébrer avec moi en live et en direct. Je sais que le Seigneur fera des choses grandioses dans votre vie. Pour ne pas oublier, ceux qui sont à Paris, juste après l'anniversaire du Bishop ici, la semaine qui suit, je suis à Paris le 26, le 25, 26 et 27 pour Prophéticos International Paris. Donc si tu es à Paris, tu es à Londres après toi. Parce que la première semaine du mois de novembre, je serai aussi à Londres. À partir du 1er, du 2, je suis en Angleterre à Londres. À partir du 25, 26, 27, je suis à Paris pour Prophéticos International. Donc si tu es au niveau de l'Italie, l'Allemagne, Belgique et tout ça, tu dois me retrouver sur Paris pour Prophéticos International à partir du 25 octobre. Ça sera formidable avec le Saint-Esprit. À partir du 1er novembre, nous serons en Angleterre, à Londres. Donc si tu fais partie du Commonwealth, tu es dans les pays comme la Norvège, l'Irlande et tout ça, arrange-toi pour me retrouver au niveau de l'Angleterre. Si tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu veux venir, tu peux participer à Prophéticos London. Tu peux me retrouver là-bas, ça sera un temps formidable avec Dieu. Tu es béni encore au nom puissant de Jésus-Christ. Et je sais que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie qui va achever au nom de Jésus. Prends confiance. Prends confiance. Aie la foi. La raison pour laquelle Dieu te demande d'avoir la foi, c'est parce que la foi est la monnaie des cieux. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est ce qu'on utilise là-bas pour faire les transactions. Sur la terre ici, on fait les transactions avec les billets de banque, la monnaie fiduciaire, la monnaie électronique. Mais au ciel, c'est la foi qu'on utilise. La foi est la monnaie du ciel. C'est avec cette monnaie qu'on fait des transactions. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, venez et achetez sans argent. Parce que c'est avec la foi que tu achètes. Dieu te dit que si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes, tu peux accomplir des grandes choses. La foi, c'est de croire que ce que Dieu t'a dit va se réaliser, quel que soit le temps et les circonstances. Ce que Dieu a promis, Dieu va le faire. Pour garder une foi absolue, une confiance absolue en la grâce de Dieu qui est sur ta vie, en la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Et je sais que tu iras de hauteur en hauteur et de gloire en gloire. Jamais tu vas te décourager. Jamais tu vas murmurer contre Dieu. Jamais tu vas dire que Dieu t'a laissé tomber. Marche dans l'esprit de la foi, toujours. Et tu verras que Dieu va te bénir. Et quand il y a qu'en États-Unis, mais viens d'abord à Londres. Et puis après, je vais venir aux États-Unis. Normalement, je dois être aux États-Unis en novembre, fin novembre. Voilà, bon. Mon ami m'a appelé pour me dire. Il est en train d'attendre, il attend quelque chose pour donner la confirmation. Mais dès que c'est confirmé, je vous dis. Voilà. Sinon, je dois être normalement en novembre à Atlanta. Mais j'attends d'abord la confirmation de l'homme de Dieu qui m'invite. Et puis, dès que c'est bon, on va vous dire. Dans le cas contraire, ce sera l'année prochaine, à partir du mois de janvier. Que Dieu vous bénisse en abondance. Pour le Canada, c'était déjà programmé. C'est le mois prochain. L'année prochaine, en mai, je serai au Canada pour un programme extraordinaire. Que Dieu te bénisse où que tu sois. C'est le Bishop Dali Shekina, salutations prophétie depuis Shekina, Horeb City. Je t'ai déjà donné le programme de fin d'année. Arrange-toi pour faire partie de ces grands événements. Je te donne le numéro WhatsApp du Bishop. Tu peux envoyer ton sujet de prière par message sur le 07 88 37 37 32. Plus 225 07 88 37 37 32. Où que tu sois dans le monde, tu peux écrire. Tu es à Paris. Ah papa, je suis à Paris. Je vais te rencontrer quand tu seras à Paris. Tu m'envoies un message. Tu es aux États-Unis. Ah papa, je suis aux États-Unis. Ah, tu es au Gabon. Tu es au Congo. Ah papa, je suis dans tel pays, je t'écris pour telle ou telle chose. Je suis en Angleterre, je suis en Norvège, je suis en Italie, je suis en Allemagne. C'est comme ça on écrit. Amen. Il ne faut pas écrire simplement tes problèmes. Il faut expliquer un peu. Amen. J'aurai le temps de pouvoir prier pour toi au nom de Jésus-Christ et je sais que des grandes choses vont arriver. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. À Maurice, j'y serai bientôt avec mon fils Jeremiah Special One qui fait déjà un travail exceptionnel et formidable là-bas. Soutenez-le, la plupart de tous ceux qui sont à Maurice, qui me suivent sur ma page Facebook, marchez avec lui et continuez de le soutenir dans le ministère. Waouh, Samuel Kofi dit qu'il vient à Londres. Samuel Kofi, on se voit là-bas. Ça sera brutal. Madeleine Yameogo depuis le Burkina, que Dieu te bénisse. Waouh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.
Donc n'oublie pas, mon numéro WhatsApp c'est 07 88 37 37 32. C'est pas pour appeler, c'est pour laisser un signe de prière sur WhatsApp et pour que nous puissions te porter en prière. Et j'ai foi que Dieu fera des grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Sur ce, je vais te laisser parce que nous avons un temps de prière à avoir ici. Je te laisse sous l'influence de l'onction et je prie que Dieu commence à te bénir de manière exceptionnelle. Que tout ce que tu attends de la part du Seigneur, que sa grâce commence à se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage, tout échec, tout perpétuel recommencement et non-accomplissement soit brisé au nom de Jésus. Que le Seigneur enlève les limites que les ténèbres ont mis à ta prospérité et à ton élévation. Que toute limite et toute limitation sur ta vie soit brisée. Que tout échec soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en prière pour toi. Je commande que ton ciel s'ouvre immédiatement. Et que toute prière que tu as priée voit l'exaucement de manière instantanée. Tu es en train de me suivre en live et en direct. Tout ce que tu as demandé au Seigneur depuis le début de l'année que tu n'as pas vu, que le Seigneur te donne cela maintenant. Que tu commences à voir le mariage, que tu vois l'enfantement, que tu vois le visa, que tu vois le voyage, que tu vois la percée, que tu vois ta nomination. Reçois cette grâce exceptionnelle dans le nom puissant, puissant de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus. Shalom! On se voit demain. Demain, on aura un direct un peu vers 19h30. Donc, demain à 19h30, soyez tous connectés pour un live formidable et extraordinaire. Et on pourra vous étaler tout le programme de fin d'année. J'ai foi que Dieu vous a béni au travers de ce direct. Et on se voit demain. Shalom!